vraiment. Vous m'expliquez, Gina? Là, c'est par exemple, c'est Neil Armstrong. Oui. Et là, c'est vous avec Marilyn Monroe. Oui. Oui, quand on s'est connus. Avec Poutine. Poutine. Bill Clinton. Michael Jackson. Clinton. Encore with Michael Jackson. Chirac. Jacques Chirac. Chirac, oui. Quand il était président. Elizabeth Taylor, elle est où? Alors là, c'est Frank Sinatra. Pompidou. Non. Pompidou. Oui, Pompidou. Reagan. La Fitzgerald. Fitzgerald. Alors, Fitzgerald. J'ai chanté à Las Vegas. Oui. Mais si je savais qu'il y avait la comment ça s'appelle la... Et la Fitzgerald? Je n'aurais pas ouvert la bouche. Et une autre fois, elle est venue encore m'entendre chanter. Mais oui. Elle est magnifique, cette photo. C'est incroyable. Mais je ne savais pas qu'elle était là. Et Elizabeth Taylor, elle est où? Elizabeth Taylor, ah, c'est incroyable parce que quand on était à Moscou, oui. J'étais connue. Elle? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Elle n'avait pas fait Cléopâtra à ce moment-là? Pas encore? Non, c'est que c'était défendu, ces films à elle. C'est interdit. Interdit, exact. Oui. Exact. Tandis que les miennes, exact. Chaque jour, j'allais là, c'était la folie. Une fête pour la eux. Folie. C'était incroyable. Et là, vous avez qui alors? Qui était amoureuse de moi. Comment il s'appelle? Orson. C'est Orson Welles. Orson Welles. Magnifique. Anna Magnani. Yeah. Là, vous avez Dali qui est là. Si. Dali. Mick Jagger. Si. Alors, là, c'était à Rome, un concerto. Oui. Il y avait tout le monde artistique. Oui. Lui, il acceptait, moi, que basta. Lui. Dali? Non. Lui. Mick Jagger? Oui. Ah bah oui. Il ne voulait pas d'autre. Les stars ne parlent qu'avec les stars. C'était incroyable. Ça, c'était quand j'étais guest de... C'est Faradiba et le chat pas la vie. Si. Oui. C'est triste, leur histoire. Hein? C'est très triste, ce qui s'est passé en Iran. Oui. Et là, c'est encore Pompidou. Pompidou, et ça, c'était le propriétaire de Paris Match. La photo de la personnalité qui vous a le plus impressionné ici, c'est qui? Qui vous a le plus impressionné ici? Pour vous, la plus grande star, c'est-à-dire la personnalité la plus incroyable, charismatique. Vraiment. Marilyn? Il y avait... Est-ce que Marilyn, pour vous, c'est la plus grande star du XXe siècle? En icône, elle a laissé un souvenir que personne a laissé au cinéma, ouais. Comme elle. Parce qu'elle est morte jeune. Oui. Elle était très aimée. Et aussi, elle n'était pas forte comme moi. Mais vous l'avez protégée comme une grande sœur. Oui, c'est pour ça que j'étais... un peu fâché avec... Yves Montand. Yves Montand, c'est... Ouais. Parce que j'ai lui fait l'interview, mais il ne l'a pas publié. Ah, il a voulu... Vraiment, il l'a traité comme... Gina, c'est Sting, ici. Oui, c'était il est jeune. Une fête. Il est jeune, Sting, ici. Hein. Hein? Incroyable, il est jeune.